Je vous remercie et merci à Clara pour sa patience avec moi. Merci. Je n'ai rien compris de ce que vous m'avez dit parce que Alain Hazard me parlait en même temps pour dire quelque chose d'intéressant. Je tiens à le dire. Il me prévenait du cas suivant, mais vous me disiez quoi exactement? Que je remerciais Clara pour sa patience avec moi. Ah, mais Clara, pourquoi elle était patiente avec vous, Clara? Ah ben parce qu'on s'est eu souvent au téléphone pour traiter l'affaire et tout. Clara, c'est un astre. Un astre céleste. Clara, c'est de la bonté dans un monde de brutes. Clara, c'est ce que devrait être l'humanité. Voilà, je le dis très honnêtement. Bravo, Clara. C'est beau. Merci à vous, Marie-Laure. On dit bonsoir, Clara. Bonsoir, Clara. Vous êtes payée au forfait, vous pourriez faire des phrases plus longues. C'est vrai, c'est vrai. Elle vient quand même juste de vous dire que vous êtes extraordinaire. Merci, vous pourriez lui dire. Non, j'étais à votre image, Marie-Laure, donc merci. Voilà, allez. La salle des appels avec JB, avec Bernard et Charlotte qui a un petit peu changé, il faut le dire. Deux, trois petits détails font qu'elle n'est. Alors, Charlotte, qu'est-ce que je dis, Charlotte? Céline va revenir, Céline. Bien sûr, ne vous inquiétez pas dans les jours qui viennent. Mais on avait besoin de vous, Hervé Pouchol. Mais je suis là. Très bien, pour une double négociation. Et en plus, cette petite imitation de la voix est remarquable et tout merci. À fait crédible. Voilà, on est bien parti, je vous le dis, moi. Nous attendons encore un peu, elle est sympa, notre cette dame. Assistant vocal vous je ne veux pas l'empêcher de faire son métier. Exprimez simplement le motif de votre appel. C'est à vous. Incident technique. Incident technique. Incident technique. On va le dire avec une voix vénère. Ben oui. Votre demande concerne-t-elle votre bien sûr. Ou votre si vous faites un incident technique, il répond pas. Vous êtes vénère. Vous prenez cette tête-là. Incident technique. C'est comme ça que les gens appellent. D'ailleurs, il a été programmé pour bien ressentir les émotions de ceux qui appellent. Pour cet auditeur. Pardon ? Il avait quelque chose à dire de plus, Jacques ? Non, il non fait, pas du tout. Non. Il fait quelque chose à côté. Il doit être en train de préparer peut-être. Pardon ? Je suis en train de sortir les baguettes tradition. Ah bah oui, écoutez, moi c'est pas encore l'heure, ça sera vers 18h, dès que Maître Marilyn Olivier aura fini son service, je sortirai moi-même la baguette tradition, car je lui ai promis un pique-nique. Oh. Un pique-nique, arrêtez, mais c'est quand même incroyable. Enfin, mais Bernard, ça va, vous me prenez non, mais c'est ambigu quand même. Mais c'est pas du tout ambigu, je lui ai dit. On a baguette tradition, les restaurants sont fermés, qu'est-ce que l'on fait? On va dans un parc Monceau, à côté de chez nous, etc. Et on mange un sandwich, enfin. Oui, c'est vrai, je n'en veux plus des allusions comme ceci. Excusez-moi, c'est terminé. On avance à notre amie apicultrice. C'est pas apicultrice d'ailleurs. Agricultrice. Ah, agricultrice. Apicultrice. Ah non, api, c'est apicultrice, okay. Voilà. Ben vous voyez, on pensait que c'était le vieux qui était sourd, mais pas du tout. La vérité vient d'éclater. C'est la jeune qui est sourde et le vieux qui entend. Dans quelques instants, il y aura d'autres duplex. Hervé Pouchol est en train de pioncer. Pour ceux qui nous regardent sur le Facebook ou bien sur M6, il s'est endormi, c'est magnifique. Ce qui prouve un petit peu la préparation physique que demande cette émission. Et là, nous allons aller... Stop. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Maître Marilyn Olivier n'a jamais fait le 1000 euros challenge. Donc elle va vous faire maintenant le fameux... 1000 euros façon Marilyn Olivier. Notre réalisateur, que ce soit son ou image, fait un gros plan maintenant sur Marilyn Olivier, qui vous fait le 1000 euros. Merci, c'est cadeau. On y va. À 1000 euros. Voilà, on a l'impression que on vient de vous indiquer qu'il fallait mettre un suppositoire. Alors, il faut faire le 32-10 immédiatement. 32-10 tout de suite, il n'y a que 5 minutes. Ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74-900. Je crois que maintenant, c'est terminé. Je n'entends pas la petite musique qui annonce la fin de l'émission. Je ne sais pas ce qui se passe. On va me couper d'une seconde à l'autre. En tout cas, je vous dis au revoir.